Salut à toutes et à toutes, c'est Tichou, j'espère que vous allez bien. Alors, voici la deuxième partie de Diablo 3. Donc, je vais vous montrer comment obtenir le patron pour l'anneau spécial dont j'ai parlé dans la première vidéo. Et comment avoir la seconde clé. Voilà. Donc, comme la première partie, j'ai fait pour la troisième clé. Il va falloir que je prenne des bonus Néphalem. Donc je vais aller chercher des boss. Je viens de faire une partie de LOL, alors je mets mes doigts sur les touches de LOL, mais pas du tout ça. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit l'autre, j'ai pas suivi. Tant pis. Nous avons trouvé la clé de cet oh, ancien mariage, mais je crains fort que ces trésors nous coûtent la vie. Au moins mon frère et moi sommes-nous arrivés jusqu'ici vivants. Oserons-nous utiliser cette machine? Bon bah je sais pas, je sais pas ce que c'est. Tant pis. Continue mon chemin. Donc voilà, donc je vais encore une fois, comme je viens de dire, faire des bonus au time, donc chercher les boss qui me permettent de lutter. Qui me permettent d'obtenir les bonus de droite pour plus de chances de vivre tranquille. J'ai quelques petits problèmes là, je sais pas ce qui se passe. Un peu bizarre. C'est pas grave. Voilà, c'est le bordel tout ça. Donc je ferai peut-être d'autres vidéos sur Diablo ou autre chose, mais là j'ai en tête de faire une vidéo sur un jeu que j'ai joué il y a très longtemps et que j'adore. Je sais pas encore si je vais vraiment le faire parce que je sais pas du tout comment je pourrais le présenter en fait. Je vais le voir. C'est possible que je le fasse. Ah, le fameux moustique là. J'ai contre le cul. Ça fait trop mal. Je ne peux pas encore. Bon, il n'y a pas de boss, donc c'est un peu chiant. Ouais, peut-être. Non, je vais aller à un autre endroit. Ah, donc ne faites pas comme moi, n'allez pas ici. Allez dans les archives de Zotrunkul. De Zotrunkul. Zotrunkul. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc il y a des portails de chaque côté, vous prenez un. Normalement les boss ils se trouvent assez facilement. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et voilà. En parlant de boss. Je crois qu'on a même d'autres derrière. Donc voilà. Donc on tape, hein. on tape, on se fait taper aussi, à ce jour, ce qu'on fait. Ah non, il y avait qu'un seul boss, ça prend le compte. Ah, mais il avait serviteur, donc il était nombreux. C'est pour ça. Ah, un petit duel, je l'ai même pas vu. Heureusement que j'ai écrit dans le chat. Donc voilà. Donc on continue, hein. Tiens, on va pas en faire. Ok, vraiment rendu parmi la boîte. Hein. Ah bon, c'est bien, ça fait du tout. Donc comme vous voyez, hein, premier boss, j'ai eu un bonus sur le Salem.
Donc je vais faire comme sur la première vidéo, une fois que j'en ai 4, je vais là où il y a le maître des clés, quand on en trouve généralement un. Voilà. Ah, c'est bon. Deuxième bonus qui va apparaître. Ah, je veux des bonnes pistoles. Bon, c'est des monstres, voilà. C'est chiant comme ça. Ouais, ouais, exactement. Que les flots infinis vous brisent. Tout à fait d'accord. C'est con, ce monde. Mon paladin qui fait que parler. Que une fois dans l'or. Oh, ça, c'est top. Ouais, en plus. Ouais, parfaitement. Bon. C'est un peu long hein, quand même de faire ça à chaque fois. Parce que dès que ça sort. Ok, ok, je sais pas ce que c'est. Ah, certissable. Oh, c'est de la merde. Ah, je m'attendais à un truc... Putain, j'ai mal lu, je m'attendais à un super truc. Mais en fait, je... Oh putain, ce que c'est chiant de faire ça. Je peux pas avoir... Ça aurait été vachement plus simple. Fallait voir le boss directement, pour faire des clés et lui défoncer la gueule avec la clé. Du coup, c'est cassé. Ça aurait été très facile. C'est bizarre, je trouve pas beaucoup de boss ça alors que je l'ai fait juste pas plein de fois et... J'avais toujours trouvé pas mal. Et ça, ça a pas voulu faire comme la première vidéo où j'ai dû recommencer pour... Pour voir la clé, c'est bien que j'ai dit le premier coup. Ouais, bon, je trace. Hein. Moi là, j'ai peur de me retourner. C'est là qu'on va tirer à des bleus. Bon, on va essayer comme ça. En fait, c'est pas très fort. Non, en fait, ça prend ça. Oh putain. Bon, ça en fait, c'est pas ça. Bon, bah, je suis à 3. Puis on est pas au coup. Bon, bah, là, je suis à la fin de. C'est la fin de la zone. Ah, coup de bol. On devrait. On devrait juste pas la fin, ça fait ça. Ça va. Les blessures sont trop graves. Je sais même pas quoi taper, je sais même pas quoi faire. Putain. Allez. Voilà, très bien. Wow, ça c'est classe. Alors comme je sais pas si vous avez le temps de le voir parce que je l'ai ramassé très vite. Donc j'ai eu, pour tout dégage, un bâton légendaire. Donc à tous les coups ça va être de la merde, mais bon. Bon, c'est de la merde. C'est pas grave, j'ai toujours ça de prix. Allez, bon, alors je vais me téléporter dans l'oasis, il me semble que c'est. Voilà, mais pas directement à l'oasis, dans le chemin. Ça c'est plus facile. Bon, dès le début, c'est nickel. Bon voilà, donc je me TP à l'oasis, en espérant encore un boss. Avant le temps, ah, nickel. Bon, j'ai pas compris. Je peux pas dire ce qui s'est passé. C'est pas grave, on y retourne. C'est. Ouais, c'est le bordel.
sais pas si même vous, je sais même pas si vous pouvez comprendre quelque chose dans tout ce qui se passe. Parce que même moi qui joue le jeu, je comprends pas. C'est dessus, en plus mon personnage se téléporte quand je joue ce jeu. C'est juste que là. Voilà. Bon, bah voilà, bon bah je suis à 5, il reste plus qu'à trouver le porteur de clé. Donc l'oasis c'est très mal, donc il peut être n'importe où en plus. Donc ça va être sûrement long. Si j'ai pas de bol, et si j'ai du bol, bah on peut le trouver très très vite. Donc je sais pas si je l'ai signalé dans la première vidéo, le porteur de clé ne peut jamais être dans les bâtiments. Par exemple, vous voyez, il y a des entrées. Il est dans ce map, il a des entrées, donc des grottes et tout, il ne sera jamais dans une grotte, il sera toujours sur la map de base. Quoi. Bon, je vais aller aussi dans les petits recoins comme ça parce qu'il est capable d'y être en fait. Il est déjà arrivé. Faut continuer à taper, c'est marrant. Surtout quand même, il est en train de se faire. Oh, encore. Donc vous aussi amusez-vous à faire que ça, les porteurs de clés, c'est trop génial. Non je déconne, non c'est vraiment bien, franchement pour XP et même faire les boss, les coupes de boss à plusieurs, c'est excellent. Même même si vous crevez beaucoup de fois, parce que franchement c'est assez dur au début de comprendre le système, même si vous crevez beaucoup de fois c'est marrant quoi. C'est... Comme pour pas couper le système. Attendez. Tiens. Voilà. Voilà, excusez-moi, il y avait le chat qui devait rentrer dans la salle. Ma mère l'a bien gentiment fait venir. Tiens, mais c'est une merde. Oui, il y a du monde là. Oh, ça va chier là. Bon, alors là, je sais même pas si vous comprenez encore plus que moi. Parce que là, c'était vraiment le bordel. Bon, apparemment, j'aurais bien fait les fesses. C'était cool. Bon, le porteur de clé d'ici ressemble à ces trucs à Shooter, donc ça fait assez mal, je crois, pas trop mal. Mais c'est pas des boss super durs non plus. C'est pas des monstres qui sont vraiment faciles à buter. Je me suis attaqué là, enfin lui, j'ai un peu plus. Bon, bah là, c'est quand même un petit boss. Il est pas très fort, mais là. Non, j'ai compris pourquoi, les gens n'avaient pas invoqué encore Darkon. Même en fait, on a invoqué Darkon. Un bon jeu. Bon, j'ai l'impression que je vais devoir faire tomber un map pour retrouver ce porteur et. Ça m'embête déjà, quoi. C'est à chaque fois lui qui fait le plus grand détour, hein. C'est pas comme. Le niveau 3 où c'est linéaire, la map est linéaire, on a juste avancé tout dans le même endroit, là c'est vraiment un endroit très vaste. Voilà, voilà, j'en profite, j'ai... Ah bah il est là. Ah non, c'est même pas lui, non, c'est un faux boss. Le truc du faux boss, c'est que leurs pouvoirs ne sont pas... Ils n'ont pas écrit de pouvoir aussi sous leur nom. Ils sont juste serviteurs de mes couilles, Bon, donc vu que j'ai un bonus de vitesse de déplacement, je vais en profiter pour penser un peu. Voilà, donc là vous voyez le téléporteur d'Oasis. Moi je me suis téléporté au chemin vers l'Oasis. Donc si vous téléportez à l'Oasis, vous tombez pile en plein milieu. Vous entendez peut-être aussi le chat miauler. Ne vous inquiétez pas, elle mord pas. Enfin, je crois.
Bon. Oui, j'ai déjà fait. J'ai déjà parcouru pas mal de la carte. Oh le bordel. J'adore les bordels comme ça quand j'arrive à. Quand j'arrive à y survivre en fait. C'est là où je me pose le plus de questions. Oula oula. Voilà. Ah parce que là franchement quand j'arrive à survivre à ce genre de truc mais. Je transporte trop de choses. Non. Bon je devrais le croiser bientôt parce que j'ai quand même parcouru pas mal la carte. Il devrait pas être. Je pense qu'il est plutôt là vers droite là. Je l'ai vu souvent. Ah mais il me laisse encore un bon petit bout de carte à développer. Plus là je me suis pas rendu à tâche facile parce que j'aurais très bien pu faire mes vidéos, me mettre en arme à 1 ou one shot les mobs et pas me faire chier et j'ai décidé de me mettre en arme à 4. Et je sais pas si c'est possible que ça en fait. Ouais. Bon, bah je sais toujours pas où il est ce con. Bon, bah moi je vous fais explorer la map. C'est beau. Hein. Il m'a en trace parce qu'on est fou. Ouais, cool, on va tout ça. Je pense qu'il m'aime plus. Bon. Voilà, c'est fait. Ah, il est là. Voilà, voilà. Il est là. Et vous voyez, sa vie descend relativement vite. Et la mienne aussi. Putain. Bon, c'est pas grave. Une chose vivante demeure dans ce cabaret. Ah ouais? Ah ouais, putain, t'as pas dit que rien. Bon bah, vu qu'il l'a dit, ah, peut-être un bug d'ailleurs. Vu que c'est une sorte de mini-tête là, peut-être un petit bug. Non, même pas. Même pas, oh. Bizarre. Bon, on va retourner voir l'autre con. Ça c'est de la force de guerrier. On est pas là dans la force de guerrier. Ah, je tue le petit mob qui a devant. Ah merde. Genre de pas trop me faire chier. Ouais, c'est parti. C'est pas trouvé. Là c'est dommage. Voilà, très bien. Ah, il a fait tomber un peu. Très très bien. Encore mieux. D'accord, je peux pas apprendre. Où est-ce que c'est ? Bon, c'est bon, on est lâché là. Voilà. Bon. Donc voici la clé du O2, donc la clé même. Alors, pour. Le patron de l'anneau, il se trouve auprès de cette petite fille. Il est là. Donc voilà, donc 2 millions. Anneau des flammes infernales. Donc, je vais vous montrer cet anneau. Alors voilà. Alors intelligence, force, vitalité, etc. Donc comme je l'ai dit, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Donc
Dextérité, on augmente le bonus XP de 35% et une chance de tirer une boule de feu. Plus 70 à 200 de Dext. Donc là, c'est parce que j'ai choisi Dext. Mais après, c'est pareil sur ce que vous choisissez. Les 4 propriétés magiques aléatoires. Donc moi, j'en ai déjà fait un. Donc qui donne 16 heures supplémentaires, vitesse d'attaque, résistance au poison. Et voilà. Et une chasse. Voilà, donc j'ai rangé ma clé. Ben, je vais vous laisser, vu que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et la prochaine vidéo pour le. La prochaine vidéo, je vous montrerai carrément la première clé. Et j'aurai trois portails. Et donc peut-être dans la même vidéo ou une vidéo juste après que je ferai juste après, je ferai les trois boss. Enfin les trois groupes de boss. Je dois Donc voilà, en essayer espérant ailleurs. que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris, comme la première, comment avoir la clé. Je vous laisse. Salut!